Bonjour et bienvenue à Motus, votre jeu de mots quotidien sur France 2. Aujourd'hui, nous accueillons avec grand plaisir Hélène et Linda. Qui joueront face à Simon et Maggie. Et nous sommes très heureux d'accueillir Pimpant et en très grande forme Thierry Beccaro. Bonjour à toutes et à tous. Et qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui ? Bonne année ! Yeah ! Bon. Et évidemment, évidemment, toute l'équipe de Motus et moi-même, nous vous souhaitons la meilleure année possible. Bonne année, c'est bien, mais la meilleure, parce que c'est jamais simple. Parfois, c'est compliqué. Et ben nous, on va essayer, comme on le fait depuis des années, on va essayer de vous apporter un petit peu de joie, de bonne humeur, venir avec des candidats qui jouent très bien. Enfin, ils sont tous formidables. Mais voilà, on est très, très heureux de vous retrouver et on espère que tout se passera bien pour vous. Voilà, je vais vous présenter les courageux, ceux qui sont là aujourd'hui. Linda et Hélène. Bonjour Linda. Bonjour. Comment ça va ? Ça va et vous-même ? Bah écoutez, vous avez vu cette entrée triomphale avec un public présent pour commencer l'année 2018. Exactement. Vous venez d'où Linda ? De Villiers-le-Bel en région parisienne. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie Linda ? Je suis actuellement en formation pour intégrer un emploi d'agent d'accueil touristique. Ah d'accord, ok. Parce que je me dis, est-ce qu'elle sait vraiment ce qu'elle a décidé de faire ? Donc dans le tourisme. C'est ça. Et vous, Hélène ? Moi, je viens de Saint-Denis, en région parisienne. Et je suis fleuriste depuis peu. J'ai effectué une reconversion professionnelle. Quelle merveille ! Voilà. Ah, voilà. Et ça marche bien, oui, j'imagine. Oui, bon, oui. Là, on est dans la période où j'imagine, on va offrir des fleurs. Mais... Toute l'année, de toute façon. Ah, là, vous allez découvrir. Vous connaissez la Saint-Valentin ? Ah bah ça, oui. Vous allez vous régaler. Oui. Avec les mecs comme ça, là, qui rentrent du boulot avec la valoche. Comme ça, avec, Bonjour, je viens acheter des fleurs pour ma femme. Vous avez ça on a tous fait et ça. On se pique beaucoup les doigts. Parce que si jamais on n'a pas le petit bouquet qui va bien, comme on dit, on se fait taper sur les doigts. Bon, en tout cas, c'est bien, vous êtes la bienvenue. Jolie fleuriste. Merci Thierry. Maggie, bonjour. Bonjour Thierry. Ça va bien ? Très bien. Vous venez d'où ? Charenton-le-Pont, Val-de-Marne. Charenton-le-Pont. Le pont, pompon, ouais, ouais. Ouais, bah oui, non, et pourtant, c'est pas Joinville, attendez, on le commence pont. L'année, on essaie d'y mettre un petit peu de. Ouais. Bon, il y a Joinville, le pont, pompon, pompon. Mais il y a Charenton également. Oui, Charenton, mais le pont, pompon, voilà. Voilà. Je peux vous dire que Magali, elle a bien réveillonné, Maggie. Oui, bah oui, hein, quand même. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Maggie ? Rien. Je ne fais plus rien, je suis retraitée. Et vous êtes venue avec Simon. Avec Simon qui n'est pas retraité. Alors qui est Simon ? Alors en fait, Ah, vous êtes Simon ? Ah, je ne savais pas. Si, en fait, on s'est rencontrés dans un autre jeu télévisé. On était adversaires. Et là, cette fois-ci, on a décidé de refaire un jeu en étant partenaire. Et voilà. Pour changer un petit peu. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Simon ? Alors, je suis professeure d'histoire-géographie dans un collège au nord de la Seine-et-Marne. Parfait. Eh bien, les présentations sont faites. Et nous, on peut vous offrir ceci. C'est notre petit cadeau, voilà. La grille, le numéro magique. Et tout ça pour 60 euros. Allez, numéro magique, c'est le 57. Allons-y, Hélène, Linda. Voici votre grille. Le numéro 8 pour vous. Myriam, pardon. Okay. Le montant de la cagnotte aujourd'hui. Eh bien, le montant de la cagnotte aujourd'hui est de 1000 euros. Pour des fêtes gourmandes et chocolatées, Jeff de Bruges est heureux de vous offrir cet assortiment composé d'orangettes, d'oursons et de savoureuses écorces et de cerisettes. Et ça y est, nous allons jouer, Simon, et nous jouons avec des mots de... 9 lettres. Des mots de 9 lettres. Bonne chance, c'est parti. Voici la lettre G. Gauloise. G-A-U. L-O-I-S-E-S. Gaufrette. Allez-y. G-A-U-F-R-E-2-T-E. Et vous parlez chacun, chacun à votre tour. Hein, Maggie, vous mélangez, s'il vous plaît. Oh!
année. Eh ouais. Bon. C'était déjà comme ça en 2017. Bah oui. On commence bien l'année. Hein. Mais oui. Hélène, bonne chance. Voici la lettre H. Hertzienne. H-E-R-T-S-Z-I-E-N-N. Vous commencez 2018. C'est dur le 1er janvier. Hein, bon, là, j'ai la lettre H. Là, je vais tenter le H, le R, le T, le Z. Allah. Bon, à tout à l'heure, Hélène. Oui. Simon, la lettre bonus. Horticole. H-O-R-T-I-C-O-L-E. Héritière. H-E-R-I-T-I-E-R-E. Habitante. H-A-B-I-T-A-N-T-E. Dans ces cas-là, Maggie, n'hésitez pas à vous proposer un mot. Bah oui, ouais, voilà. Mais là, je... Non, rien n'est venu. Hélène, alors, la lettre bonus, le M. Hécatombe, H-E-C-A-T-O-M-B-E. Harmonica, H-A-R-M-O-N-I-C-A. Écoutez, si j'ai le choix pour commencer l'année, je vais prendre harmonica, plus qu'hécatombe. Oui. J'ai un petit moral en ce moment, Hélène. Bah, c'est le 31 décembre, parfois, il y en a quelques-unes. Bon, allez, vous mélangez, s'il vous plaît, Hélène. Le 8. Bon, Du rythme. C'est numéro magique. C'est pas grave, excuse-moi. Bonne année. Bon. Ah là, vous perdez une belle occasion. Puis alors, elle a bien réagi, mais... Linda, mais je lui ai fait peur, elle a lâché. Eh ben voilà, c'est ça. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'elle mélange Linda ou pas? Parce qu'elle n'est pas mélangée, alors allez-y. Ah. Oui, vous n'avez pas mélangé encore. Non, non. Numéro magique. Oui, je vais tirer la boule noire. Je vais prendre mon premier. Yes. 40. Bon. 50 à 50 pour l'instant. Allez, on y va, Hélène. Nous cherchons un mot commençant par la lettre C. Costumier. C-O-U-S-T-U-M-I-E-R. Ouais, c'est pas possible. Je crois qu'elle a dû faire une sacrée bringue. J'aurais pas dû y aller. Hein. Ouh, y a. Oh là là là. Elle tient pas l'alcool. Maintenant, tout le monde le sait. C'est pour ça que tout ça, il faut le faire avec modération, évidemment. Simon, la lettre bonus. Courtisan. C-O-U-R-T-I-S-A-N. Cousinade. C-O-U-S-I-N-A-D-E. Coussinet. C-O-U-2-S-I-N-E-T. Et voilà. Bravo. Simon, vous mélangez, s'il vous plaît. Le 53. Allez, Maggie. Maggie, nous cherchons un mot qui commencera par la lettre A. Attention, A-T-T-E-N-T-I-O-N-S. Ah non. Et en plus, vous comptiez sur vos doigts. Oui. Bah c'est malin. Hein. À mon avis, vous avez 11 doigts, ou je sais pas. Oui, bah. Il m'en est poussé un dans la nuit. Il y a
Il y en a, y a là, comme autre. Ça, là, si ouais. tu peux, qui a dû pousser. Ouais. Bon. Bon, Hélène, la lettre bonus, la voici. Aoutienne. A-O-U-T-I-E-N-N-E. Attestant. A-T-T-E-S-T-A-N-T. Allergie. A-L-L-E-R-G-I-E-S. Autonomie. A-U-T-O-N-O-M-I-E. Astéroïde. A-S-T-E-R-O-I-D-E. Asticoté. A-S-T-I-C-O-T-E-R. Ouais. Oh. Il y a d'autres lettres à placer. Simon, voici la lettre bonus. C'est le U. Astucieux. A-S-T-U-C-I-E-U-X. Bravo. Allons-y, Simon. Le 23. Maggie. Le 11. Allez, encore un petit effort. Vous avez 150 points pour l'instant, Maggie. Vous jouez, s'il vous plaît, avec la lettre B. Bagatelle. B-A-G-A-T-E-L-L-E. Boulanger. B-O-U-L-A-N-G-E-R. Brigand. Attendez, c'est le début de l'année, on est là, on est bien. On peut se permettre comme ça, on est tranquille. Oui. Voilà, vous perdez la main quand même, mais ah bah oui. On est tranquille. Hélène, la lettre bonus, la voici. Briquette. B-R-I-Q-U-E-T-T-E. Bergerie. B-E-R-G-E-R-I-E-S. Ouais. Béjas. B-E-I-J-E-A-S-S-E. C'est bien ça. Bon, alors résumons-nous. Il y a un petit carton pour vous, Linda. Oui, oui, oui. Et puis, il faudrait accélérer un petit peu, c'est ça, hein, quand vous appelez les mots. Parce que j'aperçois Olivier qui parfois est un petit peu, hein, un peu plus de rythme. Voilà, allez, vous mélangez Linda, s'il vous plaît. Allez. 22. Il y a des pièges, hein, parfois, on met des petits clous, des trucs comme ça. Il y a des bêtes. Allez-y. Faites votre expérience, Hélène. Le 20. Je peux... Ah oui, oui, celui-là, vous pouvez le jeter, vous en faites ce que vous voulez. C'était le 8 qu'il fallait garder. Ah bon? Voilà. Vous l'avez jeté, ça y est? C'est bon? Oui, oui, oui. Alors, nous jouons avec Linda. Si vous trouvez ce mot, vous égalisez, Linda. Voici la lettre P. Polluante. P-O-L-L-U-A-N-T-E. Partenaire. P-A-R-T-E-N-A-I-R-E. Ah, ça aussi, il y a eu un... Vous aussi, vous avez un doigt qui a poussé dans la nuit. Bon, et bien c'est Simon qui va faire la bonne affaire avec la lettre bonus. Politique. P-O-L-I-T-I-Q-E. Et voilà, 100 points d'avance pour vous. Vous mélangez Simon. Faut prendre encore un numéro avant de marquer 100 points. Le 25. Le 51 rapporte 100 points, Maggie. 35.
Myriam. C'est le dernier mot, Thierry. Le dernier mot. Il faut le trouver, ce dernier mot. Hein. Il rapporte 100 points et il vous envoie tout droit en super partie. Maggie, ça commencera par un D. Décalogue. D-E-C-A-L-O-G-U-E. Douanier. D-O-U-A-N-I-E-R-S. Décibel. D-E-C-I-B-E-L-S. Zut. Ça, c'est dommage. Ça va permettre à Hélène de jouer avec la lettre qui vient. Regardez, c'est un H. Déchaîné. D-E-C-H-A-I-N-E-R. Ah là, là, vous étiez bien concentré. 200 à 200 pour l'instant. Vous pouvez mélanger, histoire de gagner la partie. Hélène, allez-y. Le 26. Alors, deux possibilités, 60. Le 16 ou le 60. Linda. 44. Alors, nous allons procéder au mot décisif. Vous allez parler chacun, chacune, votre tour. La première équipe qui trouvera le mot ira en super partie. Et c'est Linda qui commence. Sermonnes. S-E-R-M-O-N-E-E-S. Alors, là, il y a une erreur, il y a une faute d'orthographe. Donc, vous offrez une lettre bonus à Simon. Saumonée, S-A-U-M-O-2-N-E-E. Mais il y a une erreur aussi, là, oui. Donc, une lettre bonus pour Hélène. Vous allez finir par trouver le mot. Hein. Saumonée, S-A-U-M-O-N-E-E-S. Maggie. Saumonée, S-A-U-M-O-N-E. Alors là. Alors, de quoi s'agit-il avec une lettre supplémentaire, hein, puisqu'il y a eu une erreur quand même. Ouais. Eh oui. Linda. Saumonau. S-A-U-M-O-N-E-A-U. C'est le bébé du saumon. Je vais vous dire deux fois bravo. D'abord parce que vous avez trouvé le mot saumono. Mais si une équipe commet deux erreurs, normalement, c'est bon. Voilà, j'aurais dû vous arrêter avant, mais je voulais voir si vous alliez trouver le mot. Donc... Ah bon ? Sérieusement ? Ben, vous avez gagné ! Vous êtes taquin ! Merci ! Ah, c'est cool ! Et les cadeaux, bien, ce sera pour Maggie et Simon. Xelle.fr, vente en ligne de sacs, maroquinerie et bagages de marque, vous offre cette valise et son vanity assorti. Xelle.fr, des bagages pour tous. Et les magasins pro spécialistes en électroménager et multimédia vous offrent cette carte cadeau de 200 euros à valoir parmi les 7000 produits disponibles sur leur site internet. Bon, en tout cas, ça a été un plaisir de vous rencontrer, Maggie, Simon, puisque maintenant vous êtes devenus amis après avoir été adversaires dans un autre jeu. Oui. Vous reviendrez. On reviendra. Et on vous accueillera avec grand, grand plaisir. On le sait bien. Je file tout de suite en super partie. À tout de suite. Pour participer à Motus, contactez-nous au 01 56 22 2000 ou sur motus@francetv.fr. Pour nos prochaines sélections, vous pouvez nous retrouver le jeudi 11 janvier à Nice, le 12 à Toulon et enfin le 13 à Marseille. Alors n'hésitez pas et composez à tout moment de la journée le 01 56 22 2000 ou rendez-vous sur www.france.tv, rubrique Motus. La super partie d'Hélène et de Linda, elle peut vous rapporter 1000 euros si vous trouvez 10 mots de 9 lettres en 5 minutes. C'est là que ça se passe, bonne chance. Merci. Merci Thierry. Tendance, T-E-N-D-A-N-C-E-S. Touchante,
T-O-U-C-H-A-N-T-E. Tradition. T-R-A-D-I-T-I-O-N. Désœuvré. D-E-S-O-E-U-V-R-E. Division. D-I-V-I-S-I-O-N-S. Douanière. D-O-U-A-N-I-E-R-E. Désavoué. D-E-S-A-V-O-U-E-R. Rhubarbe. R-U-B-H-A-R-B-E-S. R-H. Ça commence par R-H. Rabougri. R-A-B-O-U-G-R-I-E. Soupière. S-O-U-P-I-E-R-E-S. Pardon. S-O-U-P-I-E-R-E-S. Saladier. S-A-L-A-D-I-E-R-S. Sculpteur. S-C-U-L-P-T-E-U-R. Souplesse, S-O-U-P-L-E-2-S-E. Peuse, peuse, ça finit par euse. Suspensif, peuse. Non, c'est peuse. Merde. Javanaise, J-A-V-A-N-A-I-S-E. Minuteur, M-I-N-U-T-E-U-R-S. Mangeoire, M-A-N-G-E... M-A-N-G-E-O-I-R-S. M-A-N-G-E-O-I-R. Oublie la mangeoire. Oui. Mouillage, M-O-U-I-L-L-A-G-E. Faut qu'on le trouve. On est loin. Mono. C'est... Pourquoi ça vient pas? Bétonnière. B-E-T-O-N-N-I-E-R-E. Bouillant. B-O-U-I-2-L-A-N-T. Battement. B-A-T-T-E-M-E-N-T. Canaliser, C-A-N-A-L-I-S-E-E. Couillon, C-O-U-I-L-L-O-N-S. Chenille, chandelle, C-H-A-N-D-E-L-L-E. Non, je sais, je me désapplaudis. Vas-y, vas-y. La crinoline. Mais oui. C'est R-I-N-O-L-I-N-E. Oh bon. Moi, je croyais que c'était un truc comme la kryptonite, ça n'existait pas. Pantalon, P-A-N-T-A-L-O-N-S. Péripétie, P-E-R-I-P-E-T-I-E. Pulpeuse, P-U-L-P-U... Non. Non, non. Pouilleux. Ouais, pouilleux. Ouais. Oh. Allez, on s'arrête là et on vous applaudit très fort. Merci, c'est gentil.
vous, c'est pas mal. Ah ouais, c'est combien de mots? 6, 7? Non, 5, 6. 5, 6, j'ai 7 à ma droite. Qui dit mieux? 6. 6, non, non, mais crinoline, ouais, vous regardez bien la grille, vous voyez les lettres et tout, vous replacez tout au bon endroit et vous trouvez le mot. Mm. On se retrouve la prochaine fois? Bien sûr. Hélène, Linda, avec grand plaisir, vous serez là également, c'est parfait. Je vous souhaite une très très belle journée et encore une très belle année. Voilà, merci.